tout le monde, alors aujourd'hui je fais une courte vidéo, c'est juste pour vous annoncer que j'ai terminé enfin mon deuxième e-book et que ce deuxième e-book sera gratuit. Alors vous verrez que très rapidement il sera disponible sur mon site internet mon-idéal.com. Vous verrez, hein, de toute façon vous ne pourrez pas le manquer, je vais faire en sorte qu'il soit téléchargeable extrêmement facilement. Et ce deuxième e-book donc s'intitule « Comment j'ai perdu 30 kilos après une prise de masse presque ratée ». Alors bon, c'est un titre à rallonge, je sais, mais je voulais que ça évoque déjà le maximum de choses possibles. Puisque donc, dans cet e-book, je vais expliquer donc, déjà un petit peu mon histoire. Comment est-ce que j'ai fait pour prendre 30 kilos? Évidemment, vous vous en doutez, il n'y avait pas que du muscle. Et comment est-ce que j'ai fait pour les perdre? Alors pourquoi est-ce que je dis presque raté? Parce que dans ma prise de masse, j'ai pas pris que de la graisse, donc j'ai aussi pris du muscle. Donc elle était en partie réussie, mais elle a été aussi en partie ratée, puisque j'avais pris beaucoup de graisse. Donc j'explique tout ça. Il y a toute une partie où j'explique comment j'ai commencé la musculation, etc. Les choses que j'ai faites correctement, les choses que j'avais faites moins correctement. Et puis les leçons que j'en ai tirées par la suite et surtout comment j'ai fait pour rattraper mes erreurs. Et donc dans cet e-book, vous allez avoir tout un protocole pour perdre du poids comme moi je l'ai fait. Alors c'est assez narratif dans le sens où j'explique mon cas personnel, mais le but c'est que vous inspiriez de mon cas personnel pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi et donc gagner beaucoup de temps, et de 2, perdre du poids si vous avez besoin de perdre du poids. Donc, outre tout ce passage où j'explique mon histoire et je parle un peu de moi pour que vous puissiez vous en inspirer, j'ai aussi mis à l'intérieur le programme d'entraînement que j'avais à cette époque et le programme nutritionnel, puisque j'avais des fiches, hein, j'avais même soit tout un cahier, soit des fiches cartonnées, enfin c'était des fiches cartonnées, et dedans je notais à chaque fois ce que j'allais manger durant la journée, repas par repas, collation par collation, et donc je modifiais d'une semaine à l'autre. D'une semaine à l'autre, je changeais certaines choses, bon, vous verrez, hein, je diminuais notamment les glucides, donc ça j'explique tout ça, et donc je vous ai mis une partie de ces fiches-là. Hein. Bon, j'ai pas scanné les fiches, mais je vous ai mis dans un tableau bien propre le contenu de mes fiches, et donc je montre ce que je mangeais, ce que je diminuais, etc. Donc vous pouvez vous en inspirer. Alors bien sûr, il faut adapter ça en fonction de votre poids, hein, évidemment, mais ça vous donnera une bonne idée, vous aurez vraiment un protocole si vous voulez perdre du poids. Voilà, donc il sera téléchargeable sur mon site là, très très bientôt, dans les prochains jours, et puis bon, vu que la vidéo va rester en ligne très longtemps, il est fort probable que lorsque vous la voyez, l'e-book soit déjà en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à le télécharger, hein. Il est gratuit, vous aurez juste à me laisser votre email et je vous l'enverrai ensuite par email. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis longue vie à vos muscles et à votre ventre plat.